Monsieur Fonsa, bel bonjour. Bonne nouvelle loin. Qui quoi pas maladie? Bon matin, nous allons parler de femmes d'Haïti, femmes potomitan. Oui, alors nous allons parler de femmes d'Haïti et même d'Haïti tala entre lumière et ténèbres. Alors petit, entre lumière, sous compatie des femmes résistantes, depuis Anakaona, jusqu'à dernier madame dans ténèbres, c'est madame ta, madame Adolphe. Je crois que Lalo, Fiette Lalo, qui était chef de Totomakout en Haïti, sous Duvalier Péan, évidemment, qui fait exécuter des milliers de gens. Donc, c'est entre lumière, les femmes résistantes qui créent Haïti, et puis les femmes de ténèbres, c'est madame François Duvalier, Simone, et puis madame Tayo Kriadov. Alors, je viens de regarder, nous avons la lumière, puis demain, nous avons les ténèbres. La lumière, c'est qui ça pour les femmes d'Haïti? La semaine passée, nous avons femme ce domaine. Qui veut partir à Haïti, l'île. Alors, on ne peut pas vivre dans l'histoire, où il y en a qu'à, où on a que visité, nous savons ça, mais c'est surtout les femmes qui participaient sur les, à l'insurrection anti-esclavagiste et l'indépendance d'Haïti. Première, nous pouvons citer un, parce que c'est important, c'est Toya. Toya, c'est madame qui est éduquée des Salines, qui est formée, qui est éduquée pendant la Révolution. Il était créé un groupe aussi militaire, il participait à plusieurs bagarres. Donc c'est maman. Et c'est, enfin, c'est pas maman, c'est madame qui occupait l'île, parce que maman était morte dans l'habitation. C'est assez important. Ensuite, on va parler d'une deuxième madame qui est aussi importante, c'est Sanit Belair. Sanit Belair, Marie et puis, ils étaient des officiers de l'armée révolutionnaire. Les, ces Français avaient débattu, ils ont arrêté eux et ils ont condamné eux à mort. Maria, des hommes, effectivement, Marie, le cafillé, et madame là, était des bouchésiers, après c'est du sexuel pour tes fusillés. Il refusait de bouchésier, et évidemment, il est mort contre tout haïtien de route, donc le fusillé, il est gonvé. C'est un deuxième héroïne très important. C'est Sanit Belair. Et en soutenant l'autre part de ma paladine, c'est Henriette Saint-Marc. Henriette Saint-Marc, effectivement, c'est un marronne. Mais il était fréquenté tous les officiers français qui étaient en Haïti. Il était fréquenté, il était servi au service, tout le monde. Et c'est lui qui avait tout renseignement dans l'état-major de l'armée française aux révolutionnaires haïtiens. Et c'est à la fin des fins, presque à la fin de la guerre, il découvrait qu'en fait c'était en Estienne. Mais il tenait un rôle bien particulier dans le mouvement révolutionnaire en Haïti. Il n'est pas capable de dire pièce. Mais Henriette Saint-Marc, c'est une dame extraordinaire. Et Madiou, il s'en vient ici, ici là, qui a fait un grand chapitre en ligne. Ensuite, on y Marie-Claire Bonheur. Marie-Claire Bonheur, c'est madame Dessalines, qui participait à l'ensemble de ces mouvements, d'accord, et qui goumait et qui portait les âmes. Et puis, on y en ces deux mondes que nous connaissons officiellement, c'est Flon, madame, qui, en principe, créait des rapports, qui tue blanc, et qui a des Dessalines près des rapports. Bleu, blanc, rouge, là, qui est blanc, et Flon, c'est lui qui coûte, alors il dit, alors, il croit que c'est Pichivé, bon, je pense que c'est pas Pichivé, il coûte drapeau, d'accord, drapeau actuellement qui n'est ici, hein, c'est-à-dire le rouge et le bleu. Ensuite, on a madame Lan qui participait à Grenland contre Bakaïman, et qui est en Mambo, c'est-à-dire qui est en prêtresse vaudou, qui, pendant l'insurrection, première insurrection, c'est lui qui a mobilisé ses esclaves dans toutes les plaines. Qui était organisé pour la révolte. Donc, je vais échantillon en série de madame Haïti qui participait soit historiquement à Nakaona, parce que c'est pas Paya qui résistait aux Espagnols, et, parce qu'il y avait 10 millions de Taïnos, les Espagnols arrivaient en Haïti, hein, 10 millions, et pratiquement à la fin de la colonisation par des pièces, Non, aujourd'hui, à la partie des Lumières, c'est-à-dire les femmes qui permettent à Haïti d'exister de bout. Et puis demain, nous avons les femmes de madame, évidemment, sa partie ténèbres, qui est extraordinaire, des femmes qui viennent. Premièrement, députée, la première députée femme, Haïti, et puis ensuite, qui tenait un pouvoir militaire policier extraordinaire, qui était qu'à diriger les tontons Makout. Maman, elle a arrêté d'écouter, c'est lumière, c'est vrai, les femmes haïtiennes, les goumets, et c'est ténèbres, c'est des femmes haïtiennes aussi, deux femmes haïtiennes, effectivement, qui mettre en place tout un système répressif pour faire population haïtienne rentrer à Bajouk et Mario, c'est-à-dire Duvalier, et Adolphe, qui était ministre Duvalier. Mais là,
la vie a ses conseillers, tout n'est pas toujours rose, tout n'est pas toujours bouche, tout n'est pas bon, mais la vie a, la caïno, c'est comme ça. Dans la Caraïbe, nous avons ces domaines, nous aujourd'hui, nous avons Haïti, et demain, nous avons terminé en Haïti. Monsieur Fonsa, merci en pile. À bientôt, et écoutez pour t'entendre comprendre.